Ah, je peux plus, les gens. Je vous jure, je peux plus. Maëva, humiliée par son copain, elle poste des stories inquiétantes. Maëva Guénam inquiète beaucoup ses abonnés après la parution de plusieurs stories sur son compte Instagram. Mais que s'est-il passé ? En couple depuis plusieurs semaines avec un homme dont elle préserve l'identité. Les filles, je vous dis la vérité, je suis trop énervée. Vous savez, mon copain, il veut pas qu'on sache qui c'est, il veut pas montrer sa tête sur les réseaux. Et moi, j'accepte. C'est son choix. Et en fait, je comprends pas les gens qui le prennent en photo en traître et les gens qui republient. Je vous jure, j'arrive pas à comprendre. Vous pouvez pas laisser les gens tranquilles. Elle est récemment partie en vacances en Italie avec lui. Mais sur place, les choses auraient très mal tourné entre les deux tourtereaux qui se seraient violemment disputés. Elle a alors indiqué vouloir rentrer en France le plus vite possible. Les filles, je suis tellement heureuse en Italie, je mange tellement bien, regardez comment j'ai grossi. Tout à l'heure, j'ai appelé ma mère en vidéo, elle m'a dit « Ma Eva, t'es une petite boulette, t'as trop grossi. » Les filles, le resto, il est incroyable. En fait, ça a bien sorti. Thank you. Grazie. Jamais je souhaiterais à une femme l'humiliation que je viens de subir, et même pas à ma pire ennemie, mais je suis traumatisée. Demain je rentre chez moi, j'ai envie de rentrer maintenant. Juste un truc les filles, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, ne croyez pas que je suis heureuse, et sachez un truc, jamais je laisserai une personne me rabaisser. Y a pas de chauffeur, je veux rentrer chez moi, comment je fais ? Beaucoup de fans se sont inquiétés pour Maëva, qui est ensuite restée silencieuse pendant plusieurs jours vis-à-vis de cette histoire. Elle est finalement réapparue sur les réseaux sociaux pour donner quelques nouvelles. Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va, vous m'avez énormément manqué. Hier je me suis reposée, j'étais très fatiguée de ce voyage qui était incroyable. Les filles, c'était vraiment les meilleures vacances de ma vie qui tombaient vraiment à pic. J'en avais besoin. Vous savez que je suis une amoureuse de l'Italie. L'année dernière, j'avais été dans le sud. J'avais fait Amalfi, Capri et tout ça. Et là, cette année, j'étais plus dans le nord. C'était incroyable. Les filles, Portofino, c'est ma ville préférée. J'ai trop aimé. On mange bien, il fait beau. Les gens, ils sont gentils, ils sont souriants. Le cadre, il est juste incroyable. Franchement les filles, j'ai trop kiffé ces vacances. Là, je suis ressourcée. T'en as pas marre de mentir? On les a vus tes snaps où tu dis ne pas être heureuse. Les filles, ça vous arrive pas de vous disputer avec votre chéri? De dire des choses sur les nerfs que vous ne pensez pas? L'erreur que j'ai faite, c'est d'avoir agi publiquement sur le coup de la colère. Ne vous inquiétez pas, tout va bien.